Bonjour et bienvenue dans ces courtes vidéos qui durent moins de 2 minutes. C'est l'évangile pratique. Aujourd'hui, nous allons lire une parole qui est un réel antidépresseur pour tout enfant de Dieu. C'est la parole qui est dans Matthieu 6, 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffira sa peine. » Amen. Pourquoi se charger de soucis futurs? Car personne ne connaît le futur. Amen. Ici en Suisse, nous avons tellement l'habitude de tout planifier, même jusqu'à notre mort, l'assurance pour nous enterrer, tout ça. Pourquoi se charger de choses inutiles? Chaque jour suffit sa peine. La marche avec le Seigneur est une marche quotidienne. Et le Seigneur a dit lui-même dans sa parole, déjà dans l'Ancien Testament, nous trouvons une parole qu'il disait au peuple d'Israël, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Amen. Ce sont vraiment des paroles de réconfort. Alors, cessons en ces périodes de Covid, de grand stress, d'incertitude, d'écouter la radio, de regarder la télé, de se laisser envahir par des mauvaises nouvelles. Nous avons le Seigneur en qui nous avons mis notre confiance. Et le Seigneur même, Jésus lui-même, avait dit, « Vous tous qui êtes chargés, fatigués, donnez-moi tous vos fardeaux. » Je les prendrai. Donc, prenons la vie comme elle vient, louons le Seigneur le matin, remettons notre journée dans les mains du Seigneur, que ce soit toutes nos activités, nos relations les uns avec les autres, avec nos enfants, avec nos épouses, et toutes ces choses. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour est un jour de joie. Et même si nous avons des difficultés, nous avons le Seigneur à nos côtés. Alors, pourquoi nous inquiéter vainement? Alléluia! Et rappelons-nous que le Seigneur nous a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Si le Seigneur l'a dit, croyons ce que le Seigneur a dit. Amen. Alléluia. Nous devons simplement nous confier dans le Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et à tout bientôt pour une seconde vidéo.